Dans ce derby, Dromard Deschois, les Albenaciens doivent absolument renouer avec la victoire suite à leur déconvenue la semaine dernière et les Valentinois doivent gagner pour rester dans la course à la montée. La première action est à mettre à l'actif des Dromois puisqu'à la 5e minute de jeu, Maxime Friol décale le ballon parfaitement à droite pour Sahari Vivant qui frappe mais le ballon passe juste à côté des buts albenaciens. La riposte d'Aubenas ne tarde pas et à la 6e minute, Nathan Nadal centre pour Quentin Granier qui ne rate pas le coche et permet à Aubenas de rapidement mener au score. Les Valentinois sont cueillis à froid. Valence se rue à l'attaque et à la 29e minute de jeu, Valentin Ginet enveloppe bien son ballon qui passe à droite de la lucarne de Benjamin Souche. À la 32e minute de jeu, Maxime Friol, encore lui, tente une frappe de loin, bien captée cette fois-ci par le portier albenacien. À la 41e minute de jeu, Jonathan Humbert tente de marquer suite à un ballon mal capté par Nicolas Baudrier, mais le tir passe à côté. À la 45e minute de jeu, Maxime Friol reprend de la tête le centre de Ayoub Zarak, mais le ballon passe à côté des buts de Benjamin Souche. En seconde mi-temps et à la 46e minute de jeu, Maxime Friol se met tout de suite en évidence en frappant au but. Le portier albenacien, bien sur ses appuis, arrête parfaitement le ballon. À la 54e minute de jeu, Maxime Friol prend le défense albenacienne à contre-pied et transmet son ballon à Rémi Gachet qui frappe à côté. C'est un peu contre le cours du jeu qu'Aubenas marque ce second but à la 54e minute de jeu. Jonathan Humbert reprend un ballon cafouillé par la défense adverse et crucifie Nicolas Baudrier. Aubenas mène 2 à 0. À la 70e minute de jeu, Michael Gomez commet une faute bête sur Rémi Gachet dans la surface de réparation. L'arbitre n'hésite pas une seconde et montre le point de pénalty. C'est Marwan Benbida qui se charge de transformer ce pénalty. Les Valentinois reviennent à 2-1 à un quart d'heure de la fin. À la 77e minute, les Albenaciens poussent pour enfoncer le clou, mais la défense valentinoise tient le choc. Dans les arrêts de jeu, les Valentinois poussent pour égaliser, mais se font prendre en contre. Loïc Hugon et Adrien Roche sont à deux doigts de marquer dans le but déserté par Nicolas Baudrier. Le score en restera là et c'est Aubenas qui tire son épingle du jeu en s'imposant sur son terrain. Oui, ah oui, oui, vraiment, je suis vraiment très, très satisfait parce que nous, voilà, on veut rapidement se maintenir. Ce n'est pas encore fait mathématiquement. Il y a encore pas mal de points à récupérer. Mais c'est vraiment une très belle victoire parce que déjà, c'est le derby de Dromardèche. Donc, on gagne, l'Ardèche gagne sur la Drôme aujourd'hui. Et puis pour nous, c'est important parce que bon, Valence, c'est le club phare du comité Dromardèche. C'est le, pour moi, en termes de formation, en termes de qualité, d'infrastructure, c'est le club numéro un. Et les gagner à la maison, c'est une très, très belle chose. Je pense que les joueurs s'en souviendront parce que bon, Valence, dans quelques années, je pense et j'espère pour eux qu'ils seront en CFA, voire plus haut, qu'ils retrouveront le niveau de l'époque à la SOAV où j'ai été. Et c'est ce que je leur souhaite. Et on se rappellera que nous, on a gagné Valence 2-1 à la maison. À du gradus, c'est une belle satisfaction pour nous. Ouais. Bon, voilà, oui, on voulait un petit peu recueillir ton sentiment sur cette victoire finalement ce soir face à l'Olympique de Valence. C'est plutôt rassurant. Malgré tout, bon, vous avez mené 2-0 et puis un pénalty bête qui aurait pu un peu compromettre vos chances de victoire. Hein.
Oui, c'est sûr, c'est même moi qui fais le pénalty à 20 minutes de la fin quand on se met un peu en danger, parce qu'à 2-0, on gérait tranquillement. Après, on a tenu, les garçons ont fait le boulot, on a fait le match qu'on voulait faire, bien solide, et on joue en contre-attaque. Voilà, on avait un peu amer le match aller qu'on fait 2-2 en se faisant égaliser à 10 minutes de la fin, en loupant un pénalty en plus à 2-1 pour nous, ça aurait fait 3-1. On avait un peu amer de l'avoir lâché, et du coup, aujourd'hui, on est bien content de leur rendre l'appareil, quoi. Donc on récupère 3 points, c'est cool. Une victoire assurante pour la suite du championnat, oui. Oui, je pense. On était passé à travers le week-end dernier à Saint-Priest en passant complètement à côté de notre match. Avec un gros score. Hein. Ouais, on en a pris 5. Ouais. Donc on avait à cœur de faire un gros match chez nous devant nos supporters face à Valence, une très belle équipe qui est deuxième du championnat, qui a fait 10 victoires sur 13 matchs. Donc c'est quand même un gros morceau de la poule. On récupère 3 points sur eux, c'est top parce que pas beaucoup d'équipes de la poule vont gagner face à Valence, je pense. J'ai pas grand-chose à reprocher aux joueurs parce que dans l'investissement, ils ont été présents. Ils ont été même plus constants, je trouve, que le match de Chavanet. Après, c'est l'effet de jeu. On n'a pas marqué aujourd'hui sur nos temps forts. On en a eu plus que l'adversaire. Et par contre, on fait deux erreurs qu'on paye cash, quoi. Un sur un marquage, une faute de marquage sur une touche, le deuxième but. Et le premier, c'est juste sur deux passes, sur un compte. On passe pas devant l'adversaire et on se fait prendre. Après, sur l'investissement, voilà, les joueurs, ce n'est pas des robots. Moi, je trouve qu'ils ont essayé de tout donner. Donc là-dessus, j'ai pas de regrets là-dessus. Ils ont beaucoup donné. L'adversaire a tout donné aussi avec un jeu beaucoup plus direct, avec un joueur de talent qui est le petit Granier, qui en compte, fallait le surveiller. Voilà, donc moi je suis frustré du résultat forcément, parce qu'on doit marquer, tout simplement. Et quand on n'a pas d'efficacité devant le but, on est toujours les erreurs qu'on fait, on les paye cash. Donc c'est malheureux, mais pour autant on ne remet rien en cause, on va continuer à bosser. On était sur 10 victoires avant ce match-là. Voilà, donc nous on va faire comme on l'avait dit, on va prendre les matchs les uns après les autres. On veut faire mieux que la première phase ou au moins aussi bien. Aujourd'hui, au bout de 3 matchs, on a 6 points. On avait 5 points au bout de 3 matchs la première phase. Donc on va continuer notre bonhomme de chemin sans paniquer et en continuant à bien bosser. Allez, Gaëtan, une défaite ce soir du Gradus 2-1. Bon, j'imagine une grande frustration par rapport aux efforts fournis. Malheureusement, ça n'a pas suffisamment payé tous ces efforts. Ouais, on peut être frustré et déçu par le score, mais pas par le contenu, parce que je pense que l'équipe n'a pas triché et on méritait quand même largement de choses. Eux, ils ont joué leur football, certainement, sur un terrain compliqué, et je pense qu'ils ont fait le match qu'ils voulaient faire. Et on n'est pas tombé, c'est pas qu'on est tombé dans le panneau, c'est que voilà, c'est des matchs très compliqués, ils ont eu un max de réussite. Nous, on en a eu un peu moins, mais bon, c'est après l'attitude est encourageante chez nous. Je pense que le match, on peut jouer 10 fois, on le gagnera 9 fois. Aujourd'hui, voilà, ça nous a pas souri, mais bon, félicitations à eux, parce que bon, ils ont fait le match qu'ils voulaient faire, mais bon. Déçu mais pas abattu, quoi, loin de là.